Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Un Kanak à la présidence du musée du Quai Branly, Emmanuel Casarerou va être nommé en conseil des ministres. Une belle consécration pour l'ancien directeur du centre culturel Tchibaou. Une fierté pour sa maman Jacqueline Casarerou qu'on écoutera dans quelques instants. La semaine de solidarité avec les peuples des territoires non autonomes, un événement qui se déroule entre le 25 et le 31 mai. Quel est son but et comment cette manifestation fait écho dans le monde? Pour en parler, Charles Ouéa de la cellule Relations extérieures du FLNKS, il sera notre invité. Se fédérer pour survivre et se faire entendre, c'est l'objectif du tout nouveau syndicat créé par des acteurs du secteur culturel. Nous avons assisté à la rencontre entre le syndicat et Music Station, une nouvelle structure qui cherche son souffle. On ouvre ce journal avec cette information. Dans le bras de fer entre Coutumier et Air Calédonie, c'est au tour de la province des îles de s'exprimer. Dans un communiqué, Jacques Lallier, à la tête de l'institution, se dit satisfait de la reprise des liaisons aériennes. Toutefois, il regrette la décision de la compagnie locale sur la hausse des prix. Jacques Lallier, dans ce même communiqué, dit s'opposer à cette mesure. Politique maintenant avec les municipales. Pascal Sawa, réélu maire de Weilouf, reconduit à son poste ce matin. Il a été élu par 22 voix contre 2 bulletins blancs et un nul. Sa liste avait récolté 57% des voix le 15 mars dernier. À Pointe-Bout maintenant, Yann Peraldi est passé maire. Il succède à Roby Courteau à la tête de la commune depuis 2008. Ancien premier adjoint, Yann Peraldi a été élu ce matin par 18 conseillers sur 23. Dans le sud, Sonia Lagarde retrouve son fauteuil à Nouméa. C'est sans surprise que Sonia Lagarde repart officiellement pour un deuxième mandat. 50 voix et 3 bulletins blancs. La maire totalise 46 sièges sur 53 au sein du conseil municipal. 2 sièges pour Calédonie Ensemble. La liste Unité Pays conduite par Joseph Boinemois pour le FLNKS obtient 2 sièges. C'est un grand retour pour les indépendantistes qui n'avaient plus de conseillers municipaux à Nouméa depuis 2008. Un conseil municipal complété par l'éveil océanien qui obtient 2 sièges et 1 pour Génération NC, une entrée au conseil municipal pour ces 2 partis. On écoute Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Moi, dans mon discours hier, j'ai dit que je travaillerais avec l'opposition. Parce que je ne peux pas concevoir le mandat municipal en restant sourde aux propositions que peut faire l'opposition. Il y a toujours des bonnes choses. J'ai moi-même siégé très longtemps dans l'opposition, pendant 13 ans, sans avoir été entendue. Les projets, des grands projets, il faut d'abord traiter en priorité l'érosion de l'Anse-Vata. C'est de faire les pistes cyclables afin que les gens qui habitent le nord-est, c'est-à-dire Tina, 4e, 5e, 6e, 7e kilomètre, puissent avoir une piste cyclable qui les amène jusqu'aux boucles de Tina et au-delà des boucles de Tina, de pouvoir rejoindre le parc urbain. Il restera encore 3 conseils municipaux à installer, ceux de Bélep, Ponérioin et Lifou. Je vous le disais en titre, Emmanuel Casarerou à la tête du Quai Branly, l'ancien directeur du centre culturel Tchibaou de Nouméa, devrait succéder à Stéphane Martin qui était en fonction à la présidence de l'établissement parisien depuis 1998. C'est cette nuit pour nous qu'Emmanuel Casarerou devrait être nommé en conseil des ministres à la présidence du musée du Quai Branly Jacques Chirac où il occupait depuis 2014 les fonctions de responsable de la coordination scientifique des collections. Si cette nomination représente une fierté pour le pays, c'est avant tout une fierté pour sa famille et plus particulièrement pour sa maman. On l'écoute. Alors là, vous vous doutez bien que ma réaction est enthousiaste et ravie et que c'était vraiment, enfin, ça me semble le couronnement d'une très belle carrière et il y a plein de choses à raconter, bien sûr, sur cette carrière, les difficultés vaincues. Là, maintenant, je crois que j'y suis à réaliser qu'il y a cette superbe réussite. Et c'est une très belle carrière qu'il a faite et je pense qu'il la mérite. Donc, c'est un grand, grand bonheur. Je voulais finir hein, peut-être en citant ce symbole de son intérêt pour les doubles cultures.
dont il sort, celle de son père et la mienne. Au mur, il a accroché les petites images sur ivoire de mes ancêtres, entre autres d'un général de l'Empire, avec son col à manger de la tarte, là, et son épouse. Et de l'autre côté, il a les photos anciennes de ses ancêtres en bagaillou. Vous voyez, je pense que c'est un symbole ou vraiment assez fort de sa double culture qu'il a bien menée, puisque le voilà maintenant à la tête d'une énorme responsabilité. Et donc, je suis sûre qu'il va se tirer superbement. Ça, c'est le mot de la maman. Nickel. En bref, dans un communiqué paru ce jour, le Parti de Libération Kanak, le PALIKA, dit s'opposer au projet de loi modifiant le code minier, projet présenté par l'Avenir en Confiance, groupe majoritaire du gouvernement. Selon le PALIKA, cette modification permettrait de lever l'interdiction d'exportation de minerais à partir des réserves métallurgiques de Goro et Thiébaghi au seul profit de Valais-Nouvelle-Calédonie et la SLN. Dans ce même communiqué, le parti appelle la population à se mobiliser contre ce projet. Une dizaine de jeunes des îles Loyauté se forment chaque année au métier de la construction. Une formation de 2 ans alliant théorie et pratique. Depuis 3 semaines, la classe de dernière année de CAP travaille à la construction d'un abri de jardin. Notre correspondante sur place a suivi le jeune Donovan. Un reportage sans commentaire de Faustine Lefranc. Il faut respecter l'alignement, c'est pour ça qu'on a mis des pincettes. Faire les alignements pour placer les poteaux dessus. On va tracer aussi les poteaux pour scier. J'ai choisi cette formation parce que j'aime bien la construction. Puis il y a tout dans ce métier. On a fait de l'électricité avec de la maçonnerie. Puis du carrelage, on a fait un peu de tout. Les élèves, ils étaient très demandeurs de chantiers en dehors de l'établissement. En faisant des chantiers réels, ça reste et c'est vu de tout le monde. Et eux se sentent vraiment valorisés par rapport à ça. On vit ici depuis 2-3 ans dans ce logement. Et avec le propriétaire, M. Winitem, on a un petit peu cherché comment on pouvait refaire notre abri-jardin. Et de bouche à oreille, ça s'est arrivé. Et puis on a découvert qu'il y avait une classe au lycée qui était prête à nous aider à faire des travaux. On arrive à recevoir dans nos formations des élèves d'UVA et de Marais. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Ils allaient tous sur Nouméa. On a des élèves qui viennent de la Grande Terre, qui reviennent sur leur terre natale. J'aime bien rester aussi, ça, du coup, pour essayer de trouver du travail. Mais... On sera obligé d'aller à Nouméa pour faire un bac pro. Retour maintenant sur les faits déroulés sur Bélep. L'expulsion de l'île et interdiction d'y retourner avant 10 ans pour les fauteurs de troubles, c'était la sanction coutumière annoncée lundi dans notre édition par le grand chef Amabili Waoulo. Hier, la décision coutumière a été présentée à l'ensemble de la population de l'île. Elle a été rejetée par les habitants. La chefferie a donc demandé au chef de clan une autre solution. De nouvelles propositions seront présentées lundi prochain. La semaine de solidarité avec les peuples des territoires non autonomes est célébrée dans le monde. Elle est décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis 2008, elle se déroule annuellement entre le 25 et le 31 mai. Pour en parler, nous recevons Charles Wea. Bonsoir, monsieur Wea. Bonsoir. Vous êtes en direct de nos studios à Nouméa. Alors, vous faites partie de la cellule Relations extérieures du FLNKS. Je le disais, cette semaine se déroule la semaine de la solidarité avec les peuples des territoires non autonomes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que c'est une semaine, effectivement, pour tirer l'attention des membres de l'ONU
et en même temps de l'opinion internationale, comme la communauté internationale, de la situation des peuples qui sont toujours aujourd'hui sous domination coloniale. Donc il est important que le travail que fait actuellement l'ONU à travers le comité des 24 puisse effectivement aller jusqu'au bout des résolutions de l'ONU concernant la décolonisation. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est un exemple en termes de processus de décolonisation dans le monde. Oui, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est un exemple parfaitement significatif aux yeux de la communauté internationale. Dernièrement, pendant la session de l'ouverture officielle des travaux du comité des 24, le secrétaire général a félicité effectivement la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local ainsi que les partis concernant l'organisation et la réussite effectivement du référendum de la consultation du 4 novembre 2018, donc montre effectivement que la décolonisation, le processus de décolonisation en place en Nouvelle-Calédonie est très regardé, puis en même temps peuvent être suivis par les peuples qui aujourd'hui luttent pour leur libération. Aujourd'hui, 17 territoires figurent sur la liste des territoires non autonomes. La Nouvelle-Calédonie a été inclue dans cette liste en 1986. Alors, quel est le point commun entre notre pays et ces territoires? Donc, le point commun, c'est entre la Nouvelle-Calédonie et ces territoires, c'est que sont effectivement sous les dominations coloniales comme la France, comme l'Angleterre et puis en même temps les États-Unis. Donc tous ces territoires effectivement ont été tous colonisés à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, leur situation, effectivement, sont examinées régulièrement par le comité des 24. Donc, comme je disais tout à l'heure, le point commun, en même temps, c'est effectivement de faire en sorte à ce que ces pays puissent effectivement aller dans un processus de paix pour effectivement ces guerres coloniales que l'on a connues dans le passé. Vous le disiez, cette semaine, c'est l'occasion de rappeler aux États membres et à l'opinion internationale que des peuples sont encore privés de leurs droits fondamentaux et indescriptibles à l'autodétermination. Je vous propose qu'on regarde ces explications de Prosper Poigou. Dans la Charte des Nations Unies, la définition d'un territoire non autonome renvoie à un territoire dont les habitants n'ont pas encore pleinement acquis l'autonomie. En 1946, 8 États membres des Nations Unies ont identifié 72 territoires non autonomes tombant sous leur administration et les ont placés sur une liste de l'ONU. Les pays administrant des territoires non autonomes sont appelés des puissances administrantes. Au fil des années et à la suite du déclenchement du processus de décolonisation, la plupart de ces territoires furent retirés de la liste. Mais le processus ne se fait pas d'une façon brutale et radicale. Un chapitre de la Charte des Nations Unies stipule que les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. C'est-à-dire qu'ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité dans le domaine politique, économique, social et éducatif. Ils s'engagent également à les aider à développer des institutions politiques autonomes et démocratiques. Les puissances administrantes ont l'obligation de communiquer régulièrement au secrétaire général des Nations Unies l'avancée de ces travaux. De 1960 à 2002, 54 territoires ont accédé à l'autonomie. À l'heure actuelle, il reste dans le monde 17 territoires non autonomes, dont la Nouvelle-Calédonie. Alors Charles Ouéa, on l'a vu dans ce reportage, le but de cette semaine décrétée par les Nations Unies est d'échanger sur le progrès politique, économique, social, mais aussi éducatif de ces peuples. Alors quels constats sont faits depuis l'inscription en 1986 de la Nouvelle-Calédonie dans la liste des pays à décoloniser? Quel est le constat qu'on peut faire? Le constat qu'on peut faire, c'est que le processus de décolonisation qui a été mené en Nouvelle-Calédonie
a été faite de façon constructive. Donc on sait effectivement l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis les événements, mais aujourd'hui, concernant l'évolution politique en Nouvelle-Calédonie, donc on peut dire que le processus en place, effectivement, est suivi de près par le comité des 24. Donc, s'agissant effectivement le cas de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'ONU, donc le FNKS, comme le gouvernement français, informe régulièrement l'ONU effectivement sur l'évolution politique en Nouvelle-Calédonie. Donc, s'agissant bien évidemment de la dernière consultation, mais aussi la prochaine consultation, soit en septembre, soit fin octobre. Donc, l'ONU effectivement participe activement dans ce processus. Nous avons par exemple des missions d'évaluation sur l'application de l'accord en 2014 comme en 2018, mais nous avons aussi des experts qui sont venus participer à la révision des listes électorales. Charles Wea, les Nations Unies s'attellent à favoriser l'accession à l'autodétermination. Vous siégez, vous êtes missionné vous-même par le FLNKS pour siéger à l'ONU. Quel impact ces décrets et ces déclarations de l'ONU ont sur l'avenir institutionnel du pays? Est-ce que ça a vraiment un impact sur le devenir de la Nouvelle-Calédonie? Ça a vraiment un impact puisque la France étant membre de l'ONU, donc ça permet de pousser la France, si vous voulez, à appliquer ces résolutions qui ont un caractère juridique international. Donc les résolutions comme le décret aujourd'hui de l'ONU, effectivement, sont reconnues au niveau international. Donc l'impact que l'on veut dire dans ce processus, c'est essayer de faire en sorte à ce que... essayer de faire en sorte à ce que ce processus effectivement que nous avons entamé depuis à travers l'accord de Nouméa puisse se faire de façon progressive et de façon à ce que l'ONU puisse participer activement, notamment pendant la phase transitoire comme après la post-coloniale. Charles Wea, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup de votre invitation. Retour maintenant sur le feuilleton de la semaine. Alors, se fédérer, je vous le disais en titre, pour survivre et se faire entendre, c'est l'objectif du tout nouveau syndicat créé par différents acteurs du secteur culturel. Déjà affaibli par les coupes budgétaires, la crise du Covid-19 n'arrange pas les comptes de la culture. Le mouvement s'est monté récemment et espère trouver des solutions. Ce soir, nous rencontrons avec une nouvelle structure du monde du spectacle. Music Station recevait justement la visite du syndicat, l'occasion pour elle d'entendre les doléances de ces acteurs culturels. Un reportage sans commentaire signé Mathieu Le Barbier. Nous, ça doit faire un peu moins d'un an qu'on a racheté l'école de musique en fait. Mais sinon, c'est une école de musique qui a plus de 18 ans, en fait. Et puis voilà, on arrive dans ce domaine-là. Nous, on est plus dans la prestation à la base. Là, c'est la salle de guitare. Et en fait, on s'est lancé dans cette école pour un jour espérer pouvoir en faire une salle de spectacle. Alors nous, on a une boîte de prestations, sonorisation, éclairage, décoration, événementiel. On organise aussi des concerts, on crée des événements. On avait des concerts qui étaient prévus là, du coup, dans le courant de l'année avec des artistes internationaux. Malheureusement, tout ça s'est tombé à l'eau. Donc là, on est un peu en stand-by. Mars, avril, mai, il n'y a pas eu de rentrée d'argent, il n'y a pas eu de spectacles et d'événements. En juin, comme je te disais à l'instant, la fête de la musique, elle est annulée. Donc, c'est normalement le gros contrat de juin, tu vois. Et bien là, du coup, il y a plusieurs collectifs qui se sont montés. Là, par exemple, j'attends, il y a Nico qui va passer du syndicat. Et voilà, discuter un petit peu de choses qu'on peut faire pour essayer de porter nos voix et essayer de trouver des solutions ensemble, qu'on puisse avoir des aides. Salut, hein. Salut. Ça va? Ouais.
c'est bien. Je crois que le collectif de l'événementiel, c'est vraiment à faire des demandes, à être entendu suite à l'actualité. Parce que là, vous perdez une année d'événements, quoi. Vous perdez vraiment beaucoup d'argent. Nous, les artistes, on n'en a jamais. Donc, on est habitué à vivre dans ces conditions. C'est compliqué, puis ça a toujours été compliqué. De toute façon, on le voit depuis quelques années maintenant avec les baisses budgétaires. Hein. Nos outils qui peuvent être la SA5, Poémar, la Casse des Artistes ou la DCK, nous ont dit de toute façon qu'il y avait ces coupes budgétaires chaque année et que c'était de pire en pire. Le syndicat s'adresse surtout aux artistes et techniciens professionnels indépendants du pays. On va essayer de, peut-être d'élargir les champs, mais pour l'instant on s'est restreint à ça, hein, parce que sinon ça va être vite du cafouillage. Pour le moment on s'organise. On est en train de se structurer, donc on va rester un peu dans l'ombre. On va essayer de faire des réunions entre nous, artistes et techniciens, un peu partout dans le pays, c'est ça l'idée, quoi. Pour essayer de fédérer un maximum d'artistes, bien sûr. Je préfère qu'on prenne notre temps et qu'on ait vraiment les choses justes et claires pour par la suite proposer des choses à nos institutions, quoi. Salut. Salut, bon retour à vous. Yes. Et bah bientôt, ouais, bon courage. À vous aussi, merci. Demain, une réunion est prévue dans les locaux de cette structure. Objectif, la création d'une association des métiers de l'événementiel. Demain, dans votre dernier épisode de Feuilleton, nous irons au fort Terimba et nous verrons si la structure peut surmonter cette période difficile. Dernière diffusion ce soir du documentaire Tibaou le Pardon, un film de 52 minutes réalisé par Lescotra et Gilles Dagneau et qui nous raconte le long chemin vers la réconciliation entre les familles Tibaou de Yengen, Ouéa d'Ouvéa et Yewene Yewene de Maré. Voici un extrait. Ce n'est plus seulement la famille Ouéa, mais l'ensemble des chefferies d'Ouvéa qui partent à Yengen pour les coutumes de réconciliation. Sur leur chemin, ils vont s'arrêter à Nouméa. Et la coutume sera partagée avec l'ensemble de la communauté d'Ouvéa de la capitale, ainsi que les chefferies du Sud. C'est ce que l'on appelle ici le sentier coutumier. Le sentier est destiné à faire circuler la parole de la coutume. À chaque étape, cette parole sera partagée, expliquée, enrichie pour au final imprégner le groupe de cette volonté de réconciliation. L'acte de Djoubéli était individuel, la demande de pardon sera un geste de la communauté. Un documentaire à voir à 21h15 sur notre chaîne. Voici qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée à tous sur Calédonia.